Parce que bon, là, c'est vrai, c'est l'heure d'hiver et tout, mais il faut cuisiner. Voilà. On fait manger le chéri vite fait, et puis comme ça, on refera un live pour le Congo ça plus tard. Donc,
Pour votre bourganjanga de poisson, voilà, moi j'utilise les filets de poisson parce que bon, mon chéri, les arrêts de poisson, il n'est pas comme nous, hein, il n'aime pas. Donc vous utilisez les arrêts de poisson, il n'y a pas de souci, mes chéris, ou vous utilisez un poisson normal. Voilà. Moi je préfère le poisson normal parce que quand je prends mes légumes là avec la tête du poisson et le piment, maman, c'est bon le feu sort. Voilà, donc je vous ai énoncé les ingrédients déjà. Voilà, donc pour ça, des bourganjanga là, vous mettez simplement de l'eau. Donc, de l'eau dans la marmite, simplement, hein. Voilà. On met simplement de l'eau dans la marmite. Je vais allumer. Je ne mets pas trop la haute flamme parce que sinon, vous n'allez pas m'entendre. On est bourganjanga là parce que comme il fait un peu froid maintenant, donc il fait un peu de soupe, hein. Voilà, on va dire que pour cette quantité de légumes, je vais ajouter, je vais mettre 1 litre d'eau dans la marmite, parce que vous voyez ma marmite de l'autre côté, oui, vous la voyez, voilà, j'utilise cocotte, comme ça c'est mieux, ça s'infuse mieux dans une cocotte. Je rajoute mon eau, hein. 1 litre d'eau pour ça là, parce que 1 litre d'eau ça va faire cuire nos légumes et tout, et puis il y aura un peu de sauce, hein, de bouillon, c'est très bon, de bouillon. Vous êtes connectés d'où la famille? Je pense que je vais quand même laisser un peu de musique au fond. Hein. Bonjour, bonjour, vous êtes connectés d'où? Vous êtes seulement 1700. Ah, ben je vais arrêter au direct. Hein. Je vais arrêter au direct. Hein. Il me faut les likes. Hein. Hein? Pompez-moi les cœurs. Je vous fais une bonne recette en live. Bon, on va saler. Oh, on a l'Espagne. On a Clermont-Ferrand. Ben oui, ma petite soeur Christelle est à Clermont. Donc, vous avez mis votre eau. Vous pouvez rajouter du cube, hein, si vous voulez. Il faut tout mettre une fois. Sauf le poisson que vous allez mettre en dernière minute. Parce que si vous mettez le poisson maintenant, il va s'émietter. Voilà. Donc, on met le sel. Moi, j'utilise du sel des dérandes mariné par un chef de Paris qui nous a donné. Ça, c'est le sel d'un grand chef. Hein. Et je vais rajouter un cube. Vous pouvez mettre du cube or, cube crevette, cube de légumes ou des cubes que vous préparez vous-même à la maison. Hein. Moi, je vais utiliser le cube or. Je prends personne en ligne parce que, attendez, je vais même bloquer, désactiver les demandes d'invitation. Voilà. C'est pas la peine d'envoyer les demandes pour rentrer dans le direct. Là, je cuisine en direct, donc on n'a pas le temps de trop discuter. Voilà. Donc, mon œuf au feu. Voilà. Donc, vous salez. Vous mettez un peu de cube, hein, si vous voulez. Hein. Voilà. Vous pouvez cuisiner sans cube aussi. Hein. C'est même d'ailleurs qu'on conseillait. Hein. Moi, je mets mon cube. Ceux qui cuisinent avec de l'huile d'olive, vous mettez de l'huile d'olive ou une huile normale ou du beurre. Moi, je cuisine avec de l'huile d'olive aujourd'hui. Donc, je mets une cuillère, deux cuillères, c'est comme vous voulez. Hein. Si vous voulez même verser tout, vous nagez dedans. C'est vous-même qui allez manger. Voilà, c'est comme ça.
poisson. Le poisson, on le mettra après.
c'est bien chez eux parce que tu peux aller aujourd'hui, tu vois la dame qui est là-bas, tu dis voilà, j'ai bien versé de temps en temps, mais après tu as des très belles baskets et des très belles mains. Surtout quand tu fais quand tu fais à manger, hein. Il te faut des belles casseroles. Elle est investie dans les marmites. Alors je parle à ma petite soeur Christelle, ma petite soeur gabonaise, qui adore aussi la cuisine comme moi, qui est sur Clermont, qui fait des plats à emporter, elle fait des plats maison, elle cuisine très bien. Elle est à mon école, hein. Voilà. Voilà. Voilà, j'étais les assiettes, voilà, c'est là. Tu vois la dame, tu dis que voilà. Donc c'est comme ça, et tu vas réussir à avoir ta collection. Comme ça, petit à petit. Voilà, parce que nos hommes là, tu dis à ton homme qu'il te faut les marmites, il te faut les assiettes, il te faut les trucs, ils discutent toujours. Et tous les hommes, à tous les niveaux, voilà. Ils te disent toujours que non, ah ben, il y a déjà des assiettes, mais non, ça sert à rien. Alors que nous, une femme en cuisine, il faut qu'elle ait tout son confort. Regarde, voilà. Donc, pour que tu ne cries pas sur ta femme qu'elle te sert les plats de nourriture qui se sont brûlés et tout, machin, truc. Donne-lui de l'argent ou va avec elle si tu ne veux pas lui donner la carte, parce que vous êtes chez vous, vous êtes là. Donne-lui. Hein? Accompagne-la. Quand le samedi, là, tu ne travailles pas. Accompagne-la et choisis les bonnes marmites. Et je vais te dire, acheter les bonnes marmites qui coûtent cher ou des assiettes qui coûtent cher, c'est-à-dire ça vous deviendra plus économe. Et puis ces choses qui coûtent cher, là, c'est des choses classiques. Voilà, c'est comme une paire de chaussures Western, Western. Donc c'est à vie, tu vas mettre la Western, hein. Elle ne sera jamais démodée. C'est ça, quand vous achetez du Biro et Boc, ou du Guy des graines, hein, voilà, c'est des assiettes, c'est des couverts, c'est des choses qui vont jamais, voilà, jamais se démoder. Et c'est des choses que, vraiment, quand vous recevez, vous-même, vous êtes fiers. Ben oui, vous êtes fiers parce que, bon, quand vous avez des invités et que votre épouse a fait les bons plats, et tout, elle sert dans des belles assiettes. Moi, je trouve honteux, vraiment, les filles qui présentent la nourriture sur Facebook. Et ça, je vous le dis depuis des années, les filles, que vraiment, vous allez acheter, je ne sais pas moi, acheter une perruque ou une mèche, je ne sais pas moi, tant que tu achètes tous les mois, quoi, tu as le faire faire le cœur. Tu achètes mes assiettes chez toi, c'est ta maison, c'est le chez toi. Une femme, c'est son intérieur. Tu t'imagines, tu es bien habillée, tu es bien coiffée, et quand les gens viennent manger chez toi, tu leur donnes la fourchette verte. Le couteau est bleu, ça ne coupe même pas. Tu n'as même pas les couteaux à viande ou les couteaux à fourchette. Bref, tu ne fais rien pour t'adapter. Tu continues de faire comme si tu étais au village. Mais quand on te voit maquillé là, tu es maquillé seulement comme Beyoncé. Et oui. Ça dit, c'est ton confort intérieur d'abord. Ça commence d'abord par ton confort intérieur. Voilà. Parce que, et ce qui va dans ton ventre, c'est important. C'est ton corps humain là. Tout ton corps là. Si tu ne nourris pas bien ton corps, si tu ne traites pas bien ton corps, et ton corps va tomber en panne. Comment tu vas faire? Tu ne peux plus te lever à 5 heures pour aller au travail. Tu ne peux plus bosser. Tu peux plus... Donc, occupez-vous de vous, les filles. Occupez-vous de vous, de votre intérieur. Même si ton gars est chiche, là, et tout. Tu te donnes 10 000 pour aller au marché. Enlève 2 000, là. Chaque temps, comme on dit. Et 2 000 que tu enlèves, là. Aujourd'hui, tu dis que, voilà. Aujourd'hui, là, il va acheter 2 cuillères. Parce que dans 2 jours, quand il te donne encore 10 000, tu dis que voilà, j'achète 2 cuillères l'autre jour, puis j'achète 2 fourchettes. Il sera fier de toi. Oui. Tu vois, les filles qui posent les marmites sur les tables. Tu vois, mais le genre de marmites qui posent sur la table, et ça vient m'insulter, moi. Hein? Votre confort, ton intérieur, ma chérie. Oui. Moi, quand je ne suis pas dans ma cuisine, malgré le fait que j'ai eu des problèmes, vous m'avez vu depuis. Le Covid et tout, tout ça là. Vous m'avez vu faire des vidéos live dans les cuisines où je suis passée à jamais. Parce qu'il n'y avait pas mon confort et je n'étais pas dans ma cuisine, je n'étais pas dans mon élément. Maintenant, je peux vous présenter ma cuisine parce que c'est ma cuisine, voilà. Oui, c'est ça, je suis en mariage. Ceux qui pensaient qu'il ne faut pas aller en mariage, après il y a mariage et mariage. Hein. Parce que vous mettez sur Facebook, vous insultez les gens et tout. Vous ne savez pas. Là, je peux présenter ma cuisine. Ici, je peux taper, je peux parler fort et tout, machin, tout le monde. C'est ma cuisine, je suis en mariage. Toi, tu es en mariage où?
Vraiment, même servir la bonne nourriture à ton gars, tu ne sais pas. Les assiettes, tu n'as pas. Le confort insolent, même, tu n'as pas. Mais toi, tu vas venir sur Facebook insulter les filles comme moi. Juste parce que tu as vu qu'à un moment donné de ma vie, j'ai un peu patiné comme ça. C'est les erreurs de parcours, ça arrive à tout le monde. Non, ça peut être, on pourrait appeler ça erreur de calcul, ce qui m'est arrivé, parce que je te dis que bon, ok, il n'y a pas besoin d'un homme. Toutes les femmes qui disent que, hein, femme, machin et tout là, nous, ouais. Hein, il n'y a pas besoin d'un homme, il peut vivre seul, et tout, machin, tout. Mais ça, elle voulait essayer aussi. Voilà ça, non. Donc, méfiez-vous les filles. Un homme, c'est important dans la vie d'une femme. Et quand tu rentres dans la vie d'un homme, blanc comme noir, riche ou pauvre, comporte-toi comme nos mamans se comportaient. Ton gars n'ira pas voir dehors. Voilà. C'est pas que tu fais semblant. Si tu fais semblant, lui aussi va faire semblant. Je ne connais pas un gars ici qui rentre chez lui. Sa maison est propre. Ses habits sont repassés. Sa femme l'a fait avec le sourire. Les bons repas. L'ambinda est là. Bien le bonheur, toujours le sourire. Et tout. Il ne voit pas le gars là aller dehors tromper sa copine. Non! Quand il finit le travail, il est même pressé de rentrer à la maison. Il est pressé et supprimez toujours vos hommes. Voilà. C'est pas que le gars va rentrer. Tu as le foulard, tu as le truc que vous portez sur la tête, là, ça fait comment? Je déteste ce truc-là, les filles. Arrêtez de porter ça. C'est quoi ce foulard-là? On appelle le foulard, là, comment tu fais? Le foulard qu'on met sur la tête, là. Attendez. Ton gars t'a rencontré à un mariage ou bien à une soirée, tu étais belle, tu étais cancan, tu étais gnang gnang. Ou bien quand il t'a invité, la première fois qu'il t'a vu, tu étais belle, tu étais là et tout. Hein? Maintenant, parce qu'il te prend, il te met à la maison, tu commences à attacher les foulards. Quand il rentre, il te trouve avec le cabas, tu ne t'es même pas lavé depuis le matin. Tu es sur Facebook en train d'insulter et tout, en train de t'occuper. C'est le bonnet. Ce n'est pas bon les filles, ne mettez pas ça. C'est quelle histoire ça? Ne mettez pas ça sur vos têtes. Pardon. Hein? Petit frère, mon petit frère Bert Samuel, hein? Ne mettez pas ce truc sur vos têtes. C'est quoi ça? Je vois même les garçons, même. Vous mettez ça, vous allez les péder. Hey! Les garçons portent même le bonnet là. Tu vois, même celui-là, il est congolais, bon, mais il met le bonnet sur la tête. Mon frère est à la sorcellerie. Tu portes ça pourquoi? Hein? Parce que les filles, vous dites peut-être que vous mettez ça parce que voilà, pour que ça tienne les cheveux ou bien que ça vous hoche la tête. Mais non! Ben non! Au contraire, quand tu mets ça à la chaleur dedans, dans ton tissage là, tu vas commencer à gratter ton tissage et il y aura une mauvaise odeur. Non, laisse ta tête en plein air, fais des tresses avant de dormir, brosse les cheveux. C'est quoi ce bonnet? Le votre bonnet là, c'est la peignantise. La peignantise, parce que vous n'aimez pas faire vos brushings, vous n'aimez pas vous occuper de vous-même. Vous négligez votre corps. Ton corps qui est toi, ton corps c'est tout pour toi, ton corps c'est ta santé, c'est tout pour toi, tu négliges ton corps. Occupe-toi de toi. Oui. C'est-à-dire, dorlote ton corps. Hein, les filles là. Tu regardes, tu as les vieux caleçons, tu portes un caleçon pesant, un caleçon coué, ou bien les gros caleçons, il y en a qui ne portent même pas les caleçons. Et tout, machin, tu prends-toi des jolis sous-vêtements. Eh ben oui, voilà. Yeah. Les parties des corps humains que vous voyez là aussi sont des esprits, hein, ça vit, hein. Voilà. Je vois une fille qui achète une perruque. Quand je vais aller au Cameroun, j'ai porté, j'ai demandé à une un jour au salon de coiffure là, que ma soeur. Donc toi, tu achètes la perruque si, au lieu de porter, te faire belle. Et tout pour toi, pour ton corps. Toi, tu attends que quand c'est quand tu vas aller au Cameroun que tu vas porter. D'autres, elles achètent un sac cher. Elles ne portent pas ici. Elles portent les vieilles, les vieilles choses. Les vieux, vieux, tout là. Tu la vois là, elle est comme une bassin. C'est pour aller porter au Cameroun. C'est ça que vous allez porter au Cameroun. Les gars tombent sur vous là-bas. Ils pensent que vous êtes bien. Et quand vous les ramenez ici, vous avez des problèmes d'ango pour vous. Pareil pour les garçons. Parce que tu es ici. C'est-à-dire, tu ne dépenses même pas 10 euros par jour pour manger. Tu économises pour aller au Cameroun. Quand tu arrives au Cameroun pour 2 semaines de vacances, c'est toi qui prends la petite que tu as rencontrée là-bas. Tu dors dans les cancans hôtels. Tu l'amènes manger la torte, la sol. Tu l'amènes dans les grands restaurants. Poum, tu n'as même pas le temps de la connaître. Tu pars, tu l'épouses, tu l'amènes ici.
Quand elle arrive ici, tu as envie de manger les poulets de 5 euros, ou bien les ailes de poulet, tu vas te laisser, tu ne peux pas chercher sa vie, tu dis qu'elle est une salope. Elle n'est pas une salope. Parce que tu te mens à toi-même. Un petit peu, c'est le mens. Arrêtez ça. Arrêtez de vendre le rêve. La cocotte, c'est chaud souvent en robe. Vous voyez que la chaude, vous aimez. C'est ça. Voilà. Les deux sont de la terre. Maintenant, je peux ajouter le poisson. Oh, je ne sais pas comment faire pour retourner ma caméra pour vous montrer notre cuisson. Donc vous voyez là les boulganjanga, vous voyez, voilà, nos légumes sont déjà cuits là. Maintenant on va rajouter le poisson. On a le goût de ça, le goût de ça. Je prends le poisson, on va rajouter. Vrai goût, maman. Voilà. Maintenant, on rajoute simplement nos filets de poisson. Voilà. Dans quelques minutes, notre boulanganga sera prêt. Et vous voyez, en cocotte comme ça, là, ça cuit vraiment vite. Encore plus de saveur, vous pouvez rajouter. Où sont les cœurs? Vous ne m'envoyez même pas les cœurs. Hey! Ce sont les qui sont connectés ici. Les qui sont connectés aujourd'hui là. Les qui sont connectés, voilà notre boulganjanga. Les qui sont connectés aujourd'hui là, que vous ne m'envoyez pas les cœurs. Vous n'envoyez pas les cœurs. Donc ce bouillon, si vous pouvez le faire avec, par contre, si vous le faites avec du bœuf, la queue de bœuf ou autre chose, voilà. Le poulet fermier, vous pouvez mettre directement, vous pouvez tout mettre ensemble directement. Mais si c'est la queue de bœuf, faites cuire la queue de bœuf avant. Voilà. Au moins une demi-heure, vous faites d'abord cuire la queue de bœuf. Au moins une demi-heure comme ça, et puis maintenant vous rajoutez les légumes parce que la queue de bœuf est vraiment dure. Donc vous voulez me dire que le direct il va finir, on ne sera même pas à 10 000 likes. Ah! Oh, les gens sont chiches. Deux places, deux places. Deux places. Quand vous êtes en couple, que vous avez trouvé votre Dieu donné comme ça, là. Surtout si vous êtes passé par les étapes comme moi, là, que Dieu m'a mis à l'épreuve, mes gens. Dieu m'a mis à l'épreuve.
J'ai toujours été une fille très chanceuse dans ma vie. Ceux qui me connaissent vont vous dire. Mais moi, dans mon parcours, je prenais tout le monde comme moi. De chez moi, on va vous dire à Lausanne, c'était l'ambassade du Cameroun. J'ai vu tout le monde, je prenais tout le monde comme moi. On va vous dire que je suis têtue, j'aime le mouvement et tout, mais je n'ai jamais été hautaine. J'ai toujours aidé les gens. Je pense que Dieu m'a mis à l'épreuve pour que je vois qui est qui. Que toi, quand tu prends les gens, quand tu aides les gens, tu prends tout le monde comme toi. Mais voilà, maintenant on va être mis à l'épreuve. Tu vas voir comment elle est humaine. Donc du coup, il y en a qui passent les 50 ans là, elles sont toutes bêtes, comme ça qu'elles peuvent les tirer tous les jours. Je vous dis que les filles, arrêtez. Tu es là que tu vas bientôt avoir 50 ans, tu ne fais pas ton enfant. Tu es là, tu te sacrifies pour les gens et tout. Si tu tombes malade là, ou bien que si tu n'as plus, tu ne peux plus aider, tu n'auras personne. Maman, tu vas finir. C'est ça que tu vois les gens péter les plombs ici dehors. Arrête, pense à toi, pense à ton avenir. Il n'est jamais trop tard. Sers-toi de mon histoire. Sers-toi de mon histoire. Moi, c'est Dieu qui m'a mis à l'école. C'est ça que vous allez voir pendant toutes mes épreuves là. Je parlais seulement. Mais quand il y a affrontement, que oui, les bagarres, bien, bien, on va bagarrer, je ne suis pas là parce que c'est ce que Dieu réservait pour moi. Non, 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 je n'affrontais pas. Vis-à-vis comme ça, fait ce que jamais, je savais ce que Dieu me réservait déjà. Et si j'affrontais vis-à-vis et tout, je n'allais pas avoir, je n'allais plus jamais m'ouvrir une porte. Je vous dis, même si quelqu'un me gifle la part et tout, je n'allais pas lever ma tête pour rendre, ma main pour rendre ou bien quoi que ce soit. Il te laisse, tu me tapes. Je connais ce que tu. Quand vous êtes spirituellement éveillé, quand vous êtes spirituellement éveillé, vous voyez ce qui va vous arriver. Et si tu fais l'erreur de faire ça, ça passe. Satan arrache. Satan arrache ça. Donc quand tu es dans l'épreuve, Satan va tout faire pour te piéger. Reste derrière l'écran, tu te chamas, tu insultes, tu fais le boulot comme moi. À un moment, paf, tu arrêtes. C'est bon. Personne ne va comprendre. Les gens me regardent comme ça, comme si je me conseille. Moi, j'ai toujours été une petite fille gentille. Hein. Et gentille et chanceuse. C'est pour ça que je ne peux jamais souffrir dans ma vie. Mon père a fait le travail, mon père a fait du bien dans tout le département de la Haute-Sanara. D'autres connaissent seulement que Coco Labo. Mais dès qu'ils apprennent que c'est la fille de tout le monde, se tasse. Parce que mon père était un tonton gentil, un monsieur gentil qui a travaillé. Pour lui fait que moi j'ai les bénédictions qui me suivent maintenant. Il ne peut pas souffrir longtemps. Et quand vous vous levez pour vouloir me faire du mal, vous allez voir. Mes prières, c'était que Dieu, que ceux qui se moquent de moi, là, que ceux qui m'ont fait tout prendre, tout perdre, là, on va prendre tout ce que tu devais leur donner de bon revenu. Donne-moi, c'est tout. Ha! Mais c'est, quand les gens vous veulent du mal, quand vous ne leur avez rien fait, hein, faites la prière à Dieu. Et dites à Dieu que ta gloire se manifeste sur moi parce que les gens sont devenus athées. De nos jours, les gens ne croient plus en rien. Tellement Satan et ses enfants sont creux de plus. Par exemple, là, j'ai réactivé ma page sur Facebook, ma page publique, parce que, vous savez, je suis suivie par presque 600 000 personnes là-bas. Et depuis des mois, je ne publiais pas, j'étais partie dans un délire, ceux qui ne me comprenaient pas, parce que je revendiquais mon matériel, parce que moi, j'ai toujours travaillé dans ma vie, je suis née dans les affaires, mon père était un homme d'affaires, j'ai toujours bossé. Donc, je ne comprends pas comment une fille avec laquelle j'étais comme une sœur, même s'il y a quelques problèmes, me confisque mes affaires et elle veut absolument qu'il y ait la bagarre et tout pour me remettre mes affaires. Je lui dis non, reste avec tout. Non, 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 je ne rentre pas en bagarre pour le matériel. Le matériel, là, c'est Dieu qui m'a donné. Tu n'as pas me donner. Tu n'as pas bon. Dieu va me remettre ça d'une façon ou d'une autre. Donc, où tu es là, tu souffres, tu as des problèmes. Tu es quelque part où tu n'es plus bien. Mais tu t'accroches parce qu'il y a le matériel. Parce qu'on va dire que tu n'as plus bien. Tu n'as plus machin, tu n'es plus dans le machin. Mais bah, elle passe sur ça. Tu sais que Dieu a gardé quoi pour toi? Devant. Passe sur ça, passe. Il dit, servez-vous. Mon histoire, hein? Moi seul ou mes petits frères comme les Abel Kamla, mes petits frères les Cyber ou Petit et tout qui sont connectés, qui savent.
Mon histoire, c'était exprès de vous la faire vivre en live. C'était mon contrat avec Dieu. J'ai dit à Dieu que comme j'ai été humilié publiquement, la Seigneur, restaure-moi publiquement. Voilà. Quand vous voyez là, je ressemble à quoi? Au niveau où le Seigneur m'a mis ici, il y a les pédas qui viennent m'insulter là, que même dans leurs rêves les plus fous, elles ne peuvent jamais rencontrer un homme comme celui avec lequel je partage ma vie. Ça, c'est Dieu. Oui. Voilà mon petit frère, Ange le Grand, qui est connecté. Mon petit frère, toi, tu connais, tu sais que les parents nous ont élevés comme ça. Aidez ton prochain. Mon petit frère, Ange le Grand, qui est là, je peux vous parler de son histoire. Toute sa famille en Italie et au Cameroun, il s'est retrouvé ici en France. Les problèmes et tout avec les gens, les contacts, collaborer avec n'importe qui, il a fait un AVC. Il n'était pas bien. J'étais là à le soutenir. Voilà les gens qui sont reconnaissants, qui osent venir sur Facebook témoigner. Parce que sur Facebook, on a voulu vous faire croire que moi j'étais une diablesse en personne. Les gens témoignent. J'ai même mes employés que j'avais au Cameroun, à Douala, qui venaient témoigner. Les gens étaient à fond dans la sorcellerie, qu'ils ne regardaient pas, ils n'écoutaient pas, ils me prenaient vraiment pour une idiote, une conne, une vendue, une fille qui n'a jamais. Ce que j'ai fait de ma vie, j'avais mon premier magasin à Yaoundé, n'avait que 20 ans. Oui. J'ai tout fait. Donc quand tu es une petite éveillée comme ça, on te calcule, on va te faire du mal. C'est quand tes parents sont en vie, sont éveillés, que tu es protégé. Mais quand mon père est mort, ils ont dit, voilà, on va la finir, vous voyez quoi? Vous me connaissez même. Moi, je peux souffrir dans ma vie, moi aussi. Vous me connaissez. Vous avez d'abord vu. J'ai d'abord un bagage intellectuel, je suis belle, charismatique. On dit à quelqu'un que je vais avoir 50 ans, il va quoi? Non. Ne jugez pas les gens par rapport à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Faites vraiment très attention. Il y en a qui ont honte, ils ont honte du. Il y a des gens qui sont partout comme nous, on a dit que je suis une bibite. Non, c'est pas ça. C'est que quand tu es né, c'est-à-dire que tu as une étoile qu'on a choisie. C'est comme ça. Même si tu rencontres vraiment des petits poèmes dans ta vie et tout, c'est rien. C'est juste un passage. Ça va passer. Laisse les gens t'insulter, te cracher dessus. Après, Dieu va te prendre comme ça, il va te laver. Il y a des gens qui ont honte quand ils me voient du sang. Hein? Mais il revient toujours quand même. Oh, 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 et alors? Ça même où tu es là? Toute ta vie, tu as vécu chez toi? Tu as vécu chez tes parents? Hein? Tu es même sûr que où tu me parles là, tu es heureuse dans ta vie? Non, pourquoi tu parles de mon problème? Apprenez à vous occuper de vos problèmes. Bon, maintenant que Dieu me restaure, il me bénit comme ça là. Vous avez dit quoi? Même seulement ma cuisine que je partage gratuitement avec les gens. C'est une bénédiction. C'est hier que j'ai commencé à vendre mes pas de nourriture dans Paris. Et même dans ça, même comme les gens ont voulu prendre, qu'ils veulent m'amener les poèmes dans ça, j'ai arrêté. J'ai pas besoin de ça. Je suis assise là, on me donne un salaire par mois. Je mange bien, je dors bien, bois mon champagne tous les jours. Je me binda bien. J'entre dans tous les endroits où fait de Paris. Je peux voyager dans le monde entier si je veux. Ça me suffit. Que d'aller me mélanger avec les gens, tu dis que oui, tu veux partager, machin, tu vas pas, ça te cause des problèmes. Mieux j'arrête. L'on est bien. C'est bon. La fille de Dieu. Hé, ma soeur, chérie, moi, c'est Nayo. Hé, on s'en va pire. Maman, je nous ai fait. Attends, faut qu'elle va manger. Voilà, vous voyez, c'est prêt. Vous voyez que, et là, si vous voulez, vous pouvez rajouter un carreau de beurre. Là, je peux rajouter un carreau de beurre, là. Voilà, là, c'est prêt, là. Vous voyez, je peux rajouter un petit morceau de beurre. Attendez, je vais chercher le beurre, on va rajouter le beurre. Parce qu'avec le beurre, ça donne encore un autre. Un goût magnifique. Il est gâté. Mais c'est un chanceux, hein?
Hey, ma soeur chérie, c'est un chanceux, c'est un garçon chanceux. Voilà. Elle va à midi. Faites lui. Voilà. Le beurre, je veux vous dire quelque chose. Le beurre est important. Le beurre dans la cuisine, oh là là, ça donne un autre. Voilà le secret. Hein. À ça, tu fais bien à manger, après tu le blindes bien. Voilà. J'augmente un peu le feu pour que. Le beurre, tu le verses comme ça. Voilà, ouais, il est fondu. Il fond vite. Et vous voyez la couleur change également. Comme la couleur change là, c'est comme ça que le goût aussi change. Hein. Les gars qui ont mon macabo, là, y avoir mon macabo, venez prendre les recettes pour gâter vos hommes. Voilà. Comme s'ils vont vous rendre jolis. Comme mon homme me rend joli comme ça, que quand on me voyait, je dis, hé, hey, maman, c'est Coco la peau comme ça. Hé, maman, tu ressembles à une vieille femme. On vous a dit qu'il y avait 80 ans. Ah, vous êtes bête jusqu'à. Quand on parle quand même d'une personne, allez quand même un peu guetter ses photos pour voir. Mais vous êtes bête jusqu'à sur les réseaux sociaux. Mani, mani. Voilà. Donc, mes gens, on va servir. Vous pouvez mettre dans une assiette plus creuse. Hein. Vous pouvez mettre dans une assiette plus creuse si vous voulez. Je le mets dans celle-là. Voilà. Les petites assiettes dans les grandes. Voilà. Votre homme, c'est un roi, c'est un prince. Voilà. Occupez-vous bien de lui. Les copines qui vous manquent dehors, la caca. Hein, celui-là, hein. Viens ici, fais le tilapia là-bas. S'il ne veut pas. Il mange, elle te mange. Maman, occupe-toi bien, ton gars. Voilà, tu vois. Voilà, mes gens. Donc, ça, c'est notre recette du dimanche. Voilà. Moi, mon gars, c'est tout pour moi. C'est mon Dieu. Tu t'aimes. Mon roi. Et c'est bon les légumes. C'est très bon pour la santé. Les légumes. Voilà mes gens. Donc voilà notre boulganjanga. Vous avez vu que. Et même si vous voulez, vous pouvez rajouter un peu de citron. Hein. Vous pouvez rajouter un peu de citron si vous voulez. Hein. Ça ne chauffe pas. Et voilà notre recette du jour. Voilà. Culinaire. Voilà, mes gens. Notre recette du jour. Envoyez les cœurs. On dit merci qui? Voilà. Voilà, mes gens. Et voilà, bon, donc, je vais aller manger. Vous avez vu à l'heure que nous on mange. C'est dimanche, hein? Nous on a le temps. Voilà. Donc, je vous embrasse, hein? Je vous fais des bisous. Pompez les cœurs, mais amenez-moi même à 20 000 ans. Hein? Vraiment, vous aussi. Moi, vous êtes chiche. Une recette comme ça qu'on a préparée ensemble, vous ne me donnez même pas 15 000 likes. Pompez-moi les likes, s'il vous plaît. Voilà. Allez, ça va. Je veux que je revienne. Hein? Que je sois au moins à 15 000 likes. Hein? C'est quelle histoire, ça?
beaucoup, Flavienne. Merci. Et voilà, notre recette du jour. Bon appétit chez vous. Hein. Je vous embrasse et puis à plus tard. Hein. Merci beaucoup.